De toute cette tribu. Alors on se trouve sur Fossil Fuel 2, la démo trouvable sur Steam. Un jeu avec des dinosaures en mode survie. Et Dieu sait que j'aime les dinosaures. Merci Jurassic Park. En plus c'est même traduit en français et tout, en plus c'est trop bien. Et puis voilà quoi, let's go. On va voir ce que ça donne. Les FPS sont hasardeux. Alors, opérateur, nanana, départ 20 juillet, arrivé sur l'île de Stikin le 29 juillet. 23 juillet, pardon. Oulala. Enquêtez sur Sierra Research Institute. Récupérez le code du serveur de Sierra. Attendez-vous une confirmation de première main de créatures fabriquées en laboratoire. Bon, la traduction a l'air un petit peu hasardeuse aussi. Je sais pas quoi, je sens un bateau là. Ah ouais, en plus il pleut et tout. Je peux courir tout ça. Oh là là, oh là là, la qualité des FPS là. Je pense qu'il a eu mal. On va descendre, hein, c'est le seul truc qu'on peut faire. Par contre, la qualité là. Oh putain sa mère. Pardon. Oh la vache. Ah non, j'ai pas envie de tomber dans l'eau. Ah c'est bon. C'est bon, je suis pas tombé dans l'eau. Ah si, je suis tombé dans l'eau. Ouais, je suis toujours en vie et toi? On dirait que t'es debout dans l'eau, c'est marrant. On dirait un mauvais film d'action. Oh là là. Bon, je précise quand même que c'est une petite équipe hein, de développement qui a fait ce jeu. C'est une petite équipe, hein, donc on va pas juger les graphismes et tout. Même si j'ai peur que les dinosaures ne fassent pas si peur que ça finalement. Oh là là. Je sais pas si vous le voyez sur le retour. Oh là là. Oh là là. Ah c'est un tomahawk. Ça c'est... Je suis dans Turok quoi. C'est que ça. Appareil photo qui permet de prendre des photos pour gagner des points. Cumuler suffisamment de points pour débloquer des réalisations. La batterie doit être au moins 30% pour être utilisée. D'accord. En fait, du coup, pour la démo, ça sert à rien. Archives photographiques. Notre mission secondaire est de prendre des photos et de documenter nos rencontres au Sierra Research Institute. Putain, mon anglais. Un régal. Les appareils photo numériques robustes ont été distribués aux chefs d'équipe. Les images des dinosaures vivants seront plus appréciées que celles des dinosaures morts. Nous voulons également documenter des... Bien d'équipement, prendre autant de photos que nécessaire, les appareils sont dotés de batteries rechargeables. Très bien. On va suivre la lumière. Les vieilles chaînes peuvent être vraiment être brisées. Regardez autour de vous pour quelque chose que vous puissiez utiliser. Ben voilà, tout simplement. Un coup de tomahawk, on n'en parle plus. Ah mais ça a été abandonné depuis longtemps ici. Ok. Y'a un truc là? Ok, il me faut une valve. Ok. Oh, attendez. Non. Ok. Je vois qu'il y a du bleu en bas. Ça va être bleu. Un bleu vert. Et là, parfait. Nickel ça, j'ai remis le courant et tout. Enfin, ça se voit quoi, mais ok.
Une valve. Incroyable. Allez. Par contre, j'ai une barre en plein milieu, j'ai l'impression. Hein. Je sais pas si vous le verrez, vous. Descendre. Bah oui. Tant qu'à faire. Tant qu'à faire. Bon, les vestiges, je sers. Ah, la qualité déjà, elle est un peu mieux ici, je crois. Ils ont mis ça, juste histoire de faire une petite introduction ou un truc. Ça a l'air grand en plus. Hein. On dirait vraiment un style Dino Crisis. Vous pouvez descendre là? Non. Oh putain, j'ai eu peur de ouf. Qu'est-ce qu'il y a là? Oh putain. Un oeil sur votre air. Surface lorsque les baisse, les basses. Attendez, y'a un truc là. Pas quelque chose avec ça, toi. D'accord. Y'a un truc dans. Y'a un truc au fond. Hein. Attendez. Y'a un truc au fond, pas là. Ah, c'est un poisson. Ah, bah je crois que je suis mort, je crois. Ah ouais, je suis mort. Puis éteint. Oh non. Je vais recommencer ou pas? Ah non, ça. Bon, du coup, je vais retourner dans l'eau. Parce que j'ai vu qu'il y avait une valve quand même. Donc ça, on va recommencer. Ok, bien ça à faire, mais du coup, on va pas aller voir le poisson au fond. Je l'avais bien vu, mais j'ai dit que je pourrais le défoncer ou quoi, mais pas du tout. Ça n'est un peu profond par ici. Il y a un poisson au fond. Je peux aller par là? Ok. Donc ça c'est fait. On va pas l'embêter l'autre gros poisson là. Pour monter à la surface que là je sens que je vais canner sinon. J'essaie d'aller au fond. J'espère qu'il n'y a pas un poisson au fond. Non, ok. Qu'est-ce que ça a fait? Ah, ça a retiré l'eau. Très bien. Bah, c'est parfait ça. Et ben, c'est parfait. Bah, du coup, il n'y a plus les poissons du coup. Bah, du moins, ils sont morts. Bah, ils sont morts ou ils sont en train de mettre quoi. Tu peux me manger encore ou pas? Tu peux le taper là? Ah! Ouais, bon, on va pas faire le malin non plus. Alors, qu'est-ce que c'est? Ah, c'était pas ouvert cette heure ici, si? Je me souviens plus. Ah, bon, ça devait peut-être être ouvert, mais. Qu'est-ce que c'est que ça? Un gilet pare-balles. Ah, trop bien! Tiens! Il est mouru. C'est ça que l'autre, j'aurais pu le tuer en fait, du coup. Vas-y. Tiens. On va me venger de tout à l'heure. Je vais mourir si je tombe du coup. Ah non. Ils ont pensé à tout. Ils ont pensé à tout sauf au fait que je chute. Oh, ça va les dégâts de chute. Pas abusé non plus les gars. Bon, ça va heureusement. La vie remonte toute seule au bout d'un moment. Ouais, vas-y, je grimpe. Bon, du coup. Ok. Donc, ça a ouvert ici. Je vais voir vite fait ce qu'il y a avant de faire le tour de l'autre côté. Qu'est-ce qu'il y a là? Je peux le casser ça?
Je vais écrire un crochet de sérieux. D'accord, ok. Je crois juste que c'était un gros. J'ai besoin de mettre le courant. Bon, je vais passer par là. Par contre, pourquoi ça fait un vide noir au fond là? La vapeur chaude vous tuera rapidement, trouvez le moyen de l'éteindre. D'accord. On va essayer d'aller par là. Les USB sont utilisés pour enregistrer la progression sur l'ordinateur portable. Ok. Dit. Nous n'avons plus moyen de nous échapper. Le courant est coupé depuis des jours. Il y a trois vaporisateurs de pression qui peuvent drainer cette section de la base. Mais ils sont maintenant sous l'eau dans le silo. Si quelqu'un peut retenir son souffle assez longtemps, il pourra l'éteindre l'agent. Bon bah c'est déjà fait du coup. Là on va sauvegarder. Ok, je peux me cacher. Comment on utilise le appareil photo d'ailleurs? Avec deux? Deux? Ok. J'avais un. Oh non. Ok, il y a l'air d'avoir un gros truc qui a pas l'air très content. En plus, j'ai vu un truc pour me cacher, donc du coup, ça me rassure pas des masses. Vous voulez mon avis? Rapace piégé. Nous avons réussi à enfermer un rapace dans le hall d'accès de la vapeur. Nous avons barricadé le chemin pour qu'il ne puisse pas s'échapper. La vanne de régulation, pardon, de pression, de vapeur est malheureusement verrouillée avec elle. Ok. Je pense que c'est un rapace. Peut-être un raptor, une connerie dans le genre. En plus, il y a une lumière et tout. Ouais. Ok. Une musique et tout là. J'ai des coups de griffe, tout ça. Vas-y, viens, moi je te mets des coups de. Je mets des coups là. Là, je peux me cacher ici. Il va y avoir un truc dans le coin, c'est sûr. Ah. Moi, je pense que ça doit être ça le rapace du coup. Un Utahraptor. Oh là! J'aurais peut-être pas dû le prendre en photo du coup. Oh! Ah, mais je peux me cacher là! Je suis dans la merde! Ah! On se tire! On se tire! On se tire! Ah! Caché! Ah! Pardon! Comment faire? Je vais courir en fait du coup. Ok. Non, je peux pas. Oh, il arrive. Oh, on court. On court. On court, on court. Ok, c'est bon. J'ai des petits frissons. Je kiffe les dinos, mais pas comme il court après. Alors. Du coup. Oh, je dois pas sauvegarder. Bon, du coup, j'ai coupé la vapeur. Voilà, mais ouais. Ça fait moitié Resident Evil en même temps. C'est beau. C'est beau. C'est rare qu'ils fassent des jeux avec des dinosaures, ouais. Enfin, des jeux Survival Horror, je parle. Ça, je fais le 2, alors j'ai jamais fait le 1. J'ai cru voir dans les commentaires que t'étais pas du tout obligé de faire le 1 pour faire le 2, donc ok. J'ai cassé une vitre pour rien, quoi. Je peux pas aller par-dessus.
Ok. Donc pour l'instant, je peux rien faire avec ça. Peut-être besoin des trucs après, plus tard. Tyrannosaurus Rex. Une tête chelou, quand même. Bah, dès que ça ressemble pas à Jurassic Park, en fait, je suis vachement perturbé maintenant. Tellement matrixé que. Il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose, du coup, ici. Ah, il n'y a pas ça secret, ou. Non? Comme ça, c'est pareil, du coup, je pense. Ouais. Bon. Il n'y a pas grand-chose. J'allais dire, on va essayer d'aller là-haut. Ça m'a fait un peu peur. En Tokiwoki. Ok. Jack, you survived. The mission is still on. Find the Sierra source code hard drives. Keep your eyes open. I don't want any surprises. Ok, mais par contre, comment il sait que. Comment il sait que j'étais vivant, genre? Ah d'accord, ok, c'était le chemin, d'accord, ok. J'avais pas compris. Nickel, j'ai des balles, mais j'ai pas de gun. Verrouillé de l'autre côté, d'accord. Bon, pour l'instant, je peux rien faire avec ça, du coup. Donc, à mon avis, je pense que j'aurai un chemin à faire pour revenir par là. Peut-être pas pendant la démo, mais. Peut-être dans le jeu classique. Il est pas moche, mais il est pas très beau non plus. J'ai putain de traits en plein milieu. Un Spinosaur aussi dedans. Aïe aïe. Ils font des clins d'œil à Turok et Jurassic Park en même temps. Alors, où est-ce que je dois aller du coup? Tu veux dire qu'ils ont fait un chemin en haut pour genre rien? Pourquoi? Ah, c'est d'où je venais. Du coup, non, du coup c'est toujours pareil, sinon c'est fermé, y a rien. Ok. Ouais, j'ai retourné aussi que j'ai débloqué tout à l'heure la porte avec avec les conduits en bas. Je vois qu'il n'y a pas d'endurance. Donc on va aller par là. Donc là faut que je trouve un crochet. Un truc pour crocheter en tout cas. Ok. Déverrouiller. Et j'ai pas de jus. De fusil. J'ai pas de fusil non plus. Ça ne sert pas à grand chose pour l'instant. Ouais, bon, on va aller par là. Je sais plus comment ça s'appelait dans Dino Crisis, le laboratoire où on va. Enfin, le groupe qui s'occupe de trucs de faire des dinosaures, tout ça. Y'a pas des bruits bizarres comme ça. Ah, c'est vieux, ça. Ah, j'ai eu très peur. J'ai même pas vu le dinosaure. Comment j'ai eu peur? Donc, j'ai pas vu s'il était bien fait ou pas. Oh! Il y a un fantôme. Du coup. Je vais par là, du coup. On va aller par là. Qu'est-ce qu'il y a de beau ici? Ah, il était mangé. Ah, il y a un gun. Je peux le prendre. Comment c'est? Je vais mettre ça en 3. Alors j'ai à fond là. Ouah, le ralenti et tout. Il est mort ou?
Ça veut en une balle. Y'en a pas d'autre? Calme-toi par contre. Voilà. Mets-toi à tête reposée. Tu dors bien. Hein. Y'a pas de soucis. J'ai pas vu le problème. Et ils m'ont fait très peur. Hein. Il est pas si stressant comme jeu, mais quand même. Ça fait son petit effet. Bah, par contre, juste un gun, je... C'est juste pour ça? Vraiment? Y'a rien d'autre à ramasser. USB... Un truc que j'ai loupé ou... Y'a pas que le gun à ramasser quand même, si? Je suis venu ici juste pour le gun. D'accord. Bon bah très bien. Y'a rien ou... Bon, on va rien dire. On a rien vu. Ok, c'est toujours verrouillé. Donc j'ai trouvé un crochet de serrure. Il doit être... Peut-être par là, tiens, bah oui, c'est vrai que j'ai pas été par là. Maintenant j'ai le gun donc je serai un peu plus confiant on va dire. Là, trébucher. Je vais me cacher ici. Donc, ça sent qu'il va y avoir un gros truc. Oh non. Ça dès qu'il y a ça, c'est à dire qu'il va y avoir des raptors comme dans Jurassic Park 1. Pareil combien. Non. Ok. Ok. Bon. On va me cacher, ça sert à rien pour l'instant. Petit raptor. Non. Bon, apparemment non. Nickel. Parce quoi? Ok. C'est rapide. Ah non. Nickel. C'est quoi ce truc sur PC là? Good evening, doctor. Bonsoir. Oh. I see you're not the doctor. Tout à fait. Diagnostic. It would appear that we have catastrophic containment breach and flooding in all levels. Implementing additional lockdown measures. I'm sorry, intruder, but I cannot allow you to leave. D'accord. C'est gentil, ça. Ah, en fait, ils m'enferment. C'est vraiment pas gentil, ça, du coup. C'était au niveau des raptors, ça, non? C'était pas au niveau des raptors, cette porte. Bio access. Moi, je crois que c'est ça. Hein. Tout à fait. Il est pas si mal fait, finalement. Enfin, je le trouvais pas trop mal fait, déjà, de base, mais... Il a l'air assez clair et concis. Du coup, là. Des balles. Je vais juste mettre... Ouais, photo en 3. Bah, ça, je vais l'enlever, du coup, ça sert à rien. Faut son truc là. Ah faut que je tire dessus. Tournez cela pour voir la voie. Bon faut... Tournez, tirer dessus plutôt hein, parce que je vois qu'il y a... Parfait. Hello. Ah d'accord. Oh, alt. Même pas évident. Y'a rien dedans. Mais c'est dégueulasse ça. C'est pas un dinosaure ça. C'est un dinosaure dans le code fossil fuel. Okay. Là on dirait les trucs dans Zantéville là. You are in possession of Sierra proprietary property.
I am therefore forced to take action. In front of you, you see one of our research subjects, a prototype variant of our Homo erectus rex. This mutant is not only strong, but poisonous as well. This variant is codenamed Goliath. He will hunt you no matter where you go. Good luck, intruder. D'accord, il présente ça comme ça. Ok. Bah écoutez, c'est bien. Bon, t'as vu, lui va te suivre. Allez, salut. C'est un peu ce que j'ai ressenti. Bah écoutez, oui. Coffre-fort, j'ai mis en place plusieurs salles sécurisées autour de la base pour attendre l'arrivée des secours. Les salles sont inaccessibles aux dinosaures, la famine est mon adversaire actuel. J'espère que l'aide arrivera bientôt. Philippe. Salut mon petit Philippe. Qu'est-ce que c'est que ça? Promène en cas d'empoisonnement. Ah, c'est bien ça. Oh! Le fusil de chasse, le fameux. Bon, il y a... Ah, j'ai. Ah, ok, non, c'est bon. Bah, fusil de chasse, je vais le mettre en 3 du coup. Appareil photo, je vais le mettre en 4. Je pense que j'aurai besoin de. Ok. Ok. Ok, on a le coffre. Ouais. Attendez. Comment on utilise ça? Ah d'accord, ok, donc là c'est rouge. Bon, j'ai juste enregistré au cas où. Non, non, c'est bon, je. Je crois que c'était un truc de dollars. Moi, je me suis dit, putain, si tu peux upgrade comme dans Dino Crisis 2, ce serait incroyable. Mais apparemment, non. Ça va, ça reste toujours en mode. Je vais quand même le prendre le fil de chasse. Je sens que le truc là. Voilà. Ah non, c'est pas. C'est moi ou il glissait sur le sol? En tout cas, le Goliath, quand il va venir. Ouais, je vais mettre une basto sur moins faire le malin, je vous le dis moi. Est-ce que je peux combiner ça et ça genre? Non. Ça. Si. Ok. D'accord. Je peux pas en mettre plus par contre. J'aurais peut-être dû garder des balles dans le coffre en haut. Crocheter ici, mais j'avais un autre endroit où je devais crocheter aussi, je sais plus c'est où. Bon, j'ai déjà crocheté ici. Alors. Qu'est-ce que je dois faire? J'ai rien compris. Mais on va dire yes, nickel. Je vais pas aller par là d'abord, je vais aller voir au fond. Ok. Oh! Prends-le! Ah! J'ai eu peur. J'ai eu peur parce que j'ai pas réussi à prendre le gun. Prends le pompe. Pourquoi ça sauvegarde? Je vais déjà aller voir là-bas. J'allais me faire mon peur maintenant. T'es vivant, toi? Ah oui. On est plus vivant. Peut-être gâcher un peu trop de balles. À mon goût. Hop. Jamais. Et ça a l'air vachement grand quand même. Je retourne au musée. Ah bah oui, c'était la porte. C'était la fameuse porte. C'était coincé. Du coup, on va. Ici. La fameuse porte. Bon, du coup, je sais pas vraiment si on peut utiliser, appeler ça un jeu d'horreur, mais. Même des fois. Le truc est tiré de ouf là.
Je vois pas qu'il y avoir le mégalodon là. Ah non. Oh, tu viens de traverser un mur le truc là. Moi je dis ça. Et ça je peux pas. Oula. Que je cours. Ok. Que je cours. Que je cours et que je ramasse des trucs. Ok. Tout va bien. C'est pas si compliqué, je m'attendais à un truc un peu plus... pire, on va dire. Par contre, ça va être pire. Je ne peux pas nuire à cet ennemi. What the fuck? Cours! Donc en fait, les balles ne lui servent à rien. Ok. Bon, ça va, c'était pas... Ok. En fait, les balles, ça y sert à rien du coup. Attendez. Je vais combiner ça et ça. Est-ce que je peux le prendre maintenant? Bah ça. Voilà. C'est bon? Voilà. Donc, on va reprendre le gun. Ah là, mais ils en mettent partout. Attendez. Qu'est-ce que ça? Carte bleue Visa, d'accord. On va prendre le gun, on va recharger. Oh putain, il m'a fait peur. On va se calmer, hein. Ok. Donc on va retourner par là. Par là. C'est par là qu'il y avait un truc à crocheter, je sais plus. Non, je sais plus. On va mettre un carton bleu. Pour ici. Sauvegarde, bon, je m'en fiche un peu, ça je m'en fiche un peu moins dans le sens où vas-y. Ok. Mon antidote, pour l'instant je n'ai pas besoin. L'appareil photo en soi, je m'en fous, c'est la démo. Ah bon. Ok, c'est bon. On a esquivé le Goliath. Aventurer profondément dans Sierra, tomber sur un enclos souterrain. Elle est quand même vachement longue cette démo. Il met un boss là. Oh là là, cours. Les spinosaures en plus. J'aurais peut-être pas dû ranger les balles de fusil finalement. Il est un peu nul hein. Bah, il est pas si nul que ça. Classement. Oh non, je peux. Oh non. En plus, j'ai pas sauvegardé, je crois, juste avant.
Oh non, bon, tant pis. On va s'arrêter là en tout cas. C'était quand même marrant, c'était quand même bien fait et tout. Ça me laisse un. Ça me fait penser vraiment à Dino Crisis un petit peu quand même. Un petit côté Dino Crisis. Puis voilà, bah, moi je trouvais ça pas mal en tout cas, ça changeait un petit peu un jeu avec des dinosaures. Bon bah, sur ce, dites-moi ce que vous avez pensé dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu, puis à vous abonner si c'est pas déjà fait. Bon, sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, salut!